Je invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Luc chapitre 23 et un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Je vais parler du message de la croix. Et donc, je voudrais commencer en lisant une partie de l'histoire de la crucifixion. Luc 23 au verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'étonne et l'a regardé. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Dans le paradis. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. S'entenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, c'est tenir dans l'éloignement et regarder ce qui s'est passé. Dans Corinthiens, chapitre 1er, au verset 18, La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeurs de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Prions au Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Agis dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que ta parole soit au fond de nos cœurs. Que tous puissent comprendre le vrai sens de la mort du Christ sur la croix. Et que nous puissions vivre pour le Christ. Car il est digne d'être adoré et d'être servi. Fais de nous de vrais disciples. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au chapitre 10, toujours dans Corinthiens, au verset 32, nous lisons ne soyons, ne soyons en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Tout au long de ce cet épître, Paul a tendance à parler de trois classes ou trois catégories de personnes. Il parle des juifs, il parle des grecs, c'est-à-dire tous les païens non-juifs, et il parle de l'Église, de Dieu, des vrais croyants. Nous voyons que deux de ces groupes ne comprennent pas, ne saisissent pas la réalité du message de la croix. C'est scandaleux. Pour certains, c'est une folie pour d'autres. Mais pour l'Église, c'est la puissance de Dieu. Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ s'est dépouillé pour devenir un vrai homme. Il a souffert comme nous pouvons souffrir. Il a été maltraité. Il a accepté quand il avait le pouvoir de descendre de la croix et d'anéantir ses ennemis. Mais il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce qu'il avait choisi dès le départ de nous aimer jusqu'au bout. Il nous aime encore. Il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. Il voudrait que tous deviennent de vrais disciples. Malheureusement, selon ces paroles dans Matthieu 7, peu de gens seront sauvés. En comparaison avec les populations sur Terre depuis le début, où il y aura des foules croyantes, mais... De gens en, compar en comparaison avec toutes les personnes qui ont vécu sur Terre. Et il nous pousse à entrer par la porte étroite. En dépit du message que j'ai prêché ce matin en parlant avec certaines personnes après qui étaient là pour la première fois, je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient rien compris. Jésus est le seul sauveur du monde. Toute personne qui quitte cette terre, qui meurt, sera rejetée par Dieu, à moins d'avoir été un vrai disciple du Christ. Pour être un vrai disciple du Christ, nous devons avoir son esprit en nous. Nous devons permettre qu'il nous transforme, qu'il nous délivre du pouvoir du péché. Mais revenons à ce que Paul dit dans Corinthiens, chapitre 1er. Pourquoi est-ce que tant de Juifs et tant de païens, il a parlé de grec à l'époque parce que tout le monde parlait le grec? Pourquoi est-ce qu'il rejette très souvent le message de la croix Vous remarquerez que dans toutes les fausses religions du monde, en fait dans toutes les autres religions du monde, sans exception, l'idée du salut est basée sur les œuvres des hommes. Le christianisme est basé sur l'œuvre du Christ. Et que nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres œuvres. C'est le contraire. Il y a, je me rappelle que j'ai passé beaucoup de temps avec une femme en Suisse il y a des années qui était horriblement possédée de démons. Quand je raconte ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas croire. Ce qui s'est passé. Cette femme sous le contrôle des démons avait sa langue qui sortait dans, comme la langue d'un serpent. Dans la nuit, elle se soulevait du sol. Les, la maison dans laquelle on priait pour elle, en un instant, c'est refroidi comme si on avait ouvert toutes les portes, les fenêtres, et c'était en plein hiver, il faisait très, très froid. Nous avons pris avec elle, nous avons chassé beaucoup de démons, mais elle n'a jamais eu une pleine délivrance parce qu'elle ne voulait pas croire. C'est une femme très, très riche, peut-être la femme la plus riche en Suisse. Et elle nous a dit, mais... Moi, je dépends de mon argent, de mon travail. Je ne peux pas accepter l'idée que je dois dépendre de ce qui s'est passé sur une croix. Mais personne ne sera sauvé qui ne confesse pas que Jésus est le seul sauveur. Qu'il est mort pour, nous, pour nos péchés sur la croix, pour que nous puissions être pardonnés par le Père céleste. Uniquement ceux qui croient en Christ seront acceptés par le Père. Uniquement ceux qui se soumettent au Christ, à ses commandements, seront sauvés. Très souvent, les gens disent, oui, enfin, nous avons tous le même Dieu, peu importe la religion. Non, il n'y a pas 36 manières d'aller au ciel. Il n'y a qu'une seule manière d'aller au ciel. C'est par le Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais pourquoi est-ce que les autres rejettent le message de la croix? Je viens de vous l'expliquer un peu, mais lisons quelques passages. Éphésiens. Chapitre 2, pour commencer, au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y aura de bonnes œuvres dans la vie d'un vrai chrétien, mais ces œuvres seront le résultat. De ce que Jésus a accompli en nous. Nos œuvres, nous ne pouvons pas en aucune manière dépendre de nos œuvres pour être sauvés. Nous dépendons à 100% sur l'œuvre du Christ, sur la croix du calvaire. Sachant que Dieu le Père a accepté son œuvre parce qu'il a ressuscité le troisième jour. Dans notre justification. Dans Romains chapitre 4, au verset 4, la Bible dit À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'Empire, sa foi lui est imputée à justice. Nous devenons justes dépendant de la justice du Christ. Dans Titre, au chapitre 3, au verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle. Cette réalité pousse les hommes à être rebelles contre le message, car les hommes sont orgueilleux. Ils ne veulent pas admettre déjà qu'ils sont pécheurs qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, qui ne peuvent rien faire pour mériter une place sociale. La Bible nous dit que ce qui nous rend juste aux yeux du Père, c'est notre confession de foi en Christ, c'est notre compréhension de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Lisons d'autres passages. Philippiens chapitre 3 au verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il, y, il en est plusieurs qui marchent en ennemi. De la croix de Christ. Je vous en avais souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. En fait, il y avait plein de personnes qui venaient dans les églises qu'il avait établies, poussant les gens à croire qu'ils devaient Accomplir certaines choses de la loi de Moïse pour être sauvé, que ce n'était pas assez de croire dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Dans presque toutes ces épîtres, il en parlait, par exemple dans Galates chapitre 6 au verset 12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et c'est Jésus-Christ qui nous change, qui change notre nature. Il nous crée pour que nous accomplissions de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas pour qu'on mérite le salut. On ne mérite rien. Jésus est digne. Nous sommes des indignes. Mais celui qui croit en Christ reçoit sa justice et il est justifié. Examinons le juif par exemple. Le juif, ou beaucoup de juifs en tout cas, pas tous parce que les apôtres eux-mêmes étaient juifs. Mais dans Luc 20, au verset 45, tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples Gardez-vous des scribes qui aiment à. Se promener en robe longue et être salué dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Très souvent, le juif est présenté comme celui qui s'attache, oui, à une religion. Il y a l'apparence, comme je le disais ce matin, Jésus dans Matthieu 23, les appelait à se repentir et à purifier l'intérieur, à purifier le cœur, leurs pensées, leurs imaginations, qu'à l'extérieur... N'est pas ce qu'il veut. Enfin, il veut que tout le glorifie, mais surtout que le cœur soit contrôlé par son esprit. Il y avait la prière, mais c'était hypocrite. Il faisait longue prière simplement pour être vu des hommes. Et leur prière ne touchait pas le cœur de Dieu. Ils avaient une certaine obéissance à au moins des parties de la loi de Moïse. Mais remarquons par exemple dans Luc 18, ce que le Seigneur dit. Au verset 9, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes... Pers se perçoit donc qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, au oh Dieu, je te rends grâce, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publican, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ⁇ Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. ⁇ Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous pouvons être religieux, mettre beaucoup de choses en pratique selon la Bible, mais si notre cœur n'est pas transformé, si tout n'est pas transformé, on ne sera pas justifié aux yeux de Dieu. La Bible déclare que nous avons tous péché. Et même, moi, je crois que c'est une bonne chose de marcher avec une attitude de repentance, car quand la Bible nous demande, enfin, dans un Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela a été écrit aux chrétiens, à les gens déjà croyant en Christ. Et ça signifie que nous devons analyser nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions, chaque jour. Est-ce que nous avons vraiment glorifié le Seigneur Est-ce que nous avons parlé avec sagesse et gentillesse et amour avec les voisins dans le contexte de la famille. Voyez, est-ce que nous avons vraiment agi comme le Christ le ferait à notre place? Vous savez, péché, c'est le simple fait de ne pas agir comme le Seigneur le ferait. Nous pouvons être zélés être rejeté par Dieu. Il y a même des gens zélés, religieusement zélés, qui sont diaboliques. C'est ce que Jacques dit au chapitre 3. Il ne voulait pas que beaucoup commencent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Il lit au verset 13, Jacques 3 au verset 13, Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Il y a des gens qui se mettent pleinement en colère parlant des choses, enfin parlant des doctrines. Nous devons parler avec amour. Nous devons rester remplis d'amour. Il continue en disant cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnale, diabolique, car là où il y en a la mer. Un esprit de dispute, il est du désordre et une sorte de mauvaise actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Les Juifs ne voyaient pas l'importance de la croix. La plupart, en tout cas. Et ils demandaient toujours un signe, un miracle. Jésus a dit, il n'y aura plus aucun autre miracle pour vous. Il accomplissaient beaucoup de miracles pour les gens qui croyaient en lui. Mais ils ne voulaient rien faire par rapport aux gens qui, qui avait une religion, mais c'était hypocrite. Pour les Grecs, le message de la croix était une folie. Une folie. C'est un message qui est une folie pour beaucoup de gens. Quand on pense à l'islam, qui a un autre auteur que Dieu, il nie la crucifixion. Ils ne veulent pas ce message de la croix parce qu'ils veulent gagner leur place au ciel. Et vous ne pouvez pas gagner votre place au ciel. Nous, gagnons, nous aurons une place au ciel en acceptant la triomphe du Christ. Est-ce que vous comprenez Ils étaient aveuglés. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parmi les Grecs à cette époque, ils étaient sous l'influence de Socrate et d'autres philosophes qui avaient l'idée, qui avaient foi dans l'idée de la bonté inhérente dans l'homme, qui est le message exactement opposé de la Bible. Dieu déclare que le cœur de l'homme et tortueux et méchant. Que tous les hommes ont besoin de se repentir, de purifier leur cœur avec l'aide de Dieu, l'aide de sa parole et de son Esprit. Donc, pour les Grecs, ce message de la croix était une folie, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient déjà bons, déjà justes, comme beaucoup de Juifs le croyaient. Et ils faisaient tout pour établir leur propre justice par leurs œuvres au lieu d'accepter la justice qui vient par la foi. Le message de la croix est une puissance qui transforme les vies, qui libère véritablement. C'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Je voudrais terminer dans Romains chapitre 1er peut-être aussi au chapitre 3. Romains chapitre 1er au verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et au chapitre 3, verset 23, tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Il a pris notre place. Il a tout accompli pour que nous soyons sauvés. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Nous voulons le glorifier par nos œuvres parce que nous l'aimons. Mais c'est Jésus qui a tout accompli. C'est la raison pour laquelle le brigand à côté du Christ, qui n'a jamais accompli une bonne œuvre, jamais a été sauvé. En reprenant l'autre brigand, il a dit, mais c'est juste qu'on meurt pour nos crimes. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Il a confessé son vrai état. Et c'est le vrai état de tout homme sur terre. Tous les hommes ont péché et tous les hommes seront condamnés éternellement à moins de croire en Christ, à moins de confesser sa foi en Christ. Cet homme a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Mais quelle foi Il était en train de mourir. Mais il croyait que Jésus était véritablement le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit dans le purgatoire, il n'a pas parlé d'enfer, il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus sauve. Aucune religion ne peut sauver. C'est Jésus qui sauve. Il sauve tous ceux qui se confient en lui pleinement. Pleinement. Ceux qui, qui permettent que son esprit les transforme. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que votre foi est pleinement en Christ Les chrétiens devraient avoir une pleine assurance à l'égard du salut, car notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de l'œuvre du Christ. Oui, nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons marcher d'une manière sainte. Mais ça dépend du Christ. De notre relation avec le Christ. De nos prières envers le Christ. Ça dépend du fait de recevoir l'Esprit du Christ. Et de demeurer dans la parole du Christ. Qui a dit, si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus ne veut pas nous condamner, nous juger, nous écraser. Il veut nous sauver. Il nous a laissé sa parole pour qu'on puisse vraiment le glorifier. Et celui qui l'aime ne veut pas pécher. Ne placez pas votre foi dans vos propres œuvres. Placez votre foi en Christ. Si cet après-midi, vous voulez vraiment vous confier en Christ. Élevez votre main vers, vers lui et demandez son aide. Là, à votre place, élevez votre main ou vos mains vers le Seigneur et demandez son aide. Demandez son aide. Merci, Père, pour l'envoi de ton fils. Tu n'as pas épargné ton propre fils, tu l'as livré pour nous tous. Et c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, mais tu as choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Merci, Père. Seigneur Jésus, tu n'as pas écouté les gens du monde. Tu n'as pas écouté le diable tu as aimé jusqu'au bout. Notre confiance est en toi. Notre confiance est en toi. Non pas en nous-mêmes. Non pas dans ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Notre foi est en toi. C'est toi qui sauve, toi, ça. Et tu as dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai point d'ordre celui qui vient à moi. Merci Seigneur.